Salut les gamers! Et aujourd'hui, on est de retour sur Expériment Z, la version 2.3, et on va découvrir ensemble qu'est-ce qu'il y a dans cette nouvelle version. Bien sûr, en solo, parce que les pubs, ça nous casse les couilles, bande de fils de pub. Et donc voilà, on est sur Expériment Z. Ah là, on a vu que le nom des villes s'affichait. On a la carte, en haut à gauche, trop stylé, avant il n'y était pas. Et on a trois barres. On a la première barre de vie, la barre d'endurance et la barre de coupe faim. Qu'on a faim. Alors si je mange un paquet de chips. Et forcément, bah, ça remplit ma barre et c'est nickel. Et on va continuer en mode survie comme ça. Et il y a un putain de zombie. Casse-toi. Graphiquement, il est carrément plus beau. Je me suis mis en. Et j'ai ma barre d'endurance. Donc, forcément, il y a le bouton marché maintenant. Et on a un bateau. C'est vrai. Bon, on va faire le RP. Donc, on va aller chercher le bateau. Il y a le buggy là-bas. Oh là 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 là. Le bateau avec. Plein de stuff devant, trop la classe. Donc on est en mode survie, hein, comme on dit. Je vais mettre une petite casquette. Voilà. Je vais dropper ça. Bon, le masque à gaz, on va le garder. On sait jamais. Et voilà le bateau quoi. Et le bateau, on peut pas monter dedans, si. Oh là 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 là, le petit toit de bateau tranquille. Avec la vie intérieure. On va descendre un peu par là. Et le bateau, il y a pas de vague, mais. En tout cas, on a fait un petit toit bateau tranquille. Voilà. C'était trop la classe. Ah, je vais le rentrer en marche. Voilà. Le CA View Dock. Là, maintenant, on a vraiment le nom des villes. Trop stylé. Vraiment trop, trop stylé. Voilà, bah, c'était le bateau. C'était le bateau trop cool. Et on avait dit qu'on avait vu le biggie. Attends, je vais m'équiper de ma machette quand même. Le buggy qui est là-bas. Et attends, on va fouiller quand même. On va fouiller quand même les lieux pour voir si on n'a rien loupé. Les shoes, on s'en fout. Un jean. Ah, je me mettrais bien en jean. Allez. Pour que ça fasse plus stylé. Voilà. Pour que ça change un peu. Et mon but, c'est quand même aller chercher avoir un fusil pour pouvoir buter un max de zombies. Il y a encore du stuff ici. Mais il n'y a pas de fusil. On a des bandages, des paquets de chips. Puis on va aller chercher le buggy. Voilà. Ils ont changé la vue à l'intérieur. Ah oh ouais, il est carrément plus propre qu'avant. Oh là 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 là. Donc voilà, ça c'était la version 2.3, donc vraiment graphiquement ils ont amélioré un petit peu, ils ont rajouté quelques petits menus sympas, et sincèrement ça déchire comme game, ça me fait penser à DayZ en version nomade, Android bien sûr. J'espère qu'il est sur iOS, pour que les gens de l'iPhone peuvent en profiter,
arrive à la maison implantée. Je tiens la caisse là. On va prendre la machette. Et ici, à part des chaussures. Et non, il n'y a pas de gun. Il n'y a pas de gun du tout. On va aller sur la base militaire si on peut. Donc avec la carte c'est facile. Maintenant on va pouvoir couper direct. Voilà, moi je coupe. Oh là là, par contre le moteur physique n'a pas changé. Le moteur physique n'a vraiment pas changé. Donc ça part en cacahuète. Ok, donc on arrive ici à Cléo Stage. On va laisser la caisse. Donc, on va prendre la machette. Et on va voir. Cottage, pardon. Cléo Cottage. Et on va voir s'il y a un petit gun par là. Mais c'est bourré de zombies. Qui spawn ici. Oh là, lui, il est rentré dans le sol. Oh, il a carrément volé, quoi. Je lui ai fait claquer le sol. Il y en a un autre. Faut que je fasse attention à ma barre. Voilà. Ma barre d'endurance. Par contre, comment il meurt, c'est carrément mieux fait, en fait. C'est carrément mieux fait. Donc, il y a du bandage. J'en ai, je vais l'utiliser. Toujours bien ça. Et j'entends un zombie. Il y en a un là-bas. Mais moi je veux un fusil, un machin ou une. Bon, je peux toujours en acheter un. Mais si j'en trouve un, ça serait carrément mieux. C'est quoi, c'est un bob? Je suis à la casquette, je suis bien. Et ici, non, il n'y a rien. Ok. Combat encore. Oh, 3 coups de machette. Lui en vue intérieure. Oh, il me fait penser à Hitler. Oh là là, direct. En vue intérieure. Bim. J'adore comme il est mort. Comment elle est morte. On arrive dans la grange et j'entends un zombie. On va le voir après. Mon but c'est vraiment un bidon d'essence. Ça c'est précieux. Je suis en voiture en plus. Bon. Est-ce qu'ils vont réussir à monter? Ah ouais, ils arrivent à monter. Oh le prochain. Hop. Putain de merde. Il a réussi à monter en 2-4-6. C'était pas cool. Il y a des balles ici. Putain, il y en a un mec qui va arriver. Et son frère, je m'en tiens. Voilà, je suis un peu crevé. On va prendre un coup de vitamine. Ah, j'ai pas. Voilà. Hop, on descend direct. Ici, il n'y a rien. Quand on entend des zombies, c'est pas très bon la plupart du temps. Mais bon, le but de ce jeu, c'est quand même en tuer un max. Pour pouvoir avoir des thunes. Voilà. Maximum de thunes. Et il faut que j'aille sur la base militaire. Oula, j'ai poussé le buggy avec un coup de pompe. On va mettre les phares. Par contre, sur la carte, on voit vraiment rien. Le kiff est mis, c'est bizarre. Alors là, le chemin. What the fuck?
Heureusement que les armes ne bloquaient pas. Allez, je suis désolé, je vois pas la route. Mais de toute façon, je connais la ville par cœur, limite. Allez, on écrase un. Bing! Et l'effet de collision est carrément mieux fait qu'avant. Bing! On reste en vue intérieure pour en écraser un autre. Oh là 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 là. Pas mal. Bon, j'avais dit la base militaire. Et qu'est-ce que je fais sur un rocher? Si je m'en souviens bien. Par là. Et c'est là, il faut qu'on monte. Donc la base militaire, j'espère qu'ils ont refait des... travailler sur les textures, sur cette mise à jour. Ah, on va passer à la petite maison. À chaque route mène à Jacko Cabane. Oh. Et il y a un tracteur. Le fameux tracteur. Je mange un coup. La petite cabane. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Des oranges. Des balles. C'est pas mal ça. On va prendre les oranges. Et un bandage. J'en ai du bandage, ouais. On fait une orange, ça. Besoin, ça. On voit rien, mais je vais prendre le tracteur. Avec le tracteur en moins. Oh, mon tracteur. Petit tracteur à la con. Alors, on suit. Allez, allez, on pousse. Valet Rod, pas mal. Il a pas de patate du tout. Je suis vraiment à fond. Je suis en fond avec le tracteur. Je vais aller chercher sur le côté les courbes. Voilà. Ouh. Ok, d'accord. Bon, bah, je vais avoir un accident, les gars. À cause d'une Jeep. Changeons de véhicule normal. Il y a une autre route après. Avant la base militaire, je crois. Bon, on y va. Quelle est cette route que je connais, tu connais pas? Bon, finalement, on va aller à la base militaire en sautant par là. Wouhou! Ça, c'est de la descente. Oh, ils ont mis des barrières autour, parce qu'avant, il n'y avait pas de barrière. Militaire base. Il n'y avait pas de barrière avant. Et dans la dernière mise à jour, c'est vrai que là, l'effet d'avoir une barrière, c'est assez cool.
On est vraiment en mode militaire. Et par contre, les zombies traversent les barrières. Et on va faire. Ta gueule! Il y a un autre bout là, non? Un zombie ça. On va mettre le plein phare et on va écraser un zombie. Oh, il va bouffer son pote. Mais non, pas de couille là. Bon, on va aller visiter les lieux quand même. Oh là 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 là, j'ai besoin de ma machette. Désolé mec. Donc qu'est-ce qu'ils ont changé ici? Ok, il y a des lunettes, il y a des machins. Ah, j'ai voulu cheater. Donc, les portes ne sont pas ouvertes. C'est pas grave. On va faire les casernes comme ça. Un costard, des vitamines. C'est quoi ça? Un masque à gaz. Bon, je vais les faire à pied. Ah mais ça va me fatiguer en courant. Ah ah. Donc c'est pas très top. Le truc que je peux faire, c'est que je peux acheter carrément une arme. Et bah forcément, je vais prendre un sniper. Et là, on va pouvoir rigoler un peu. Avec 150 balles dans le sniper. Hop. Ah. On dit le méchant recul. Oh putain, il était là, le bâtard là. Hitler. Putain. Puis, c'est vraiment un sniper de merde que j'ai pris. Le truc avec trop de recul. Je vais essayer de lui caler un headshot quand même. Les snipers pas très efficaces en fait. Mais qui dépanne. Je vais faire quand même la tour des porte-avions. Ici il n'y a rien. Ici non plus. Non, je crois qu'il y a un camping-car. Oui, oui, sur les derniers épisodes, il y avait. J'avais réussi à choper un petit camping-car. Et j'espère qu'ils ont mis d'autres véhicules. Donc là, on a des freins, des lunettes, des bottes, des paquets de chips. Derrière caserne, il n'y a rien non plus. Il n'y a pas de fusil, il n'y a pas de machin. C'est dommage.
le vieux sniper que j'ai acheté trop cher. Sans cacahuète. Et encore plus, qui est pas très efficace. Ça fait chier quoi. Quand on a de la place, autant prendre des provisions. Oula. C'est qui fait le guignol? Ah, je l'entends prêt. Putain, m'a fait flipper. Hop, 3 balles pour dégommer un zombie. Quatre balles. Oh, putain. J'ai énormément faim. Ça joue plutôt à la clavier souris, je pense. Putain de merde. Ah, il y a du monde là-bas. Hop, toi t'es mort. Bon, on va reprendre la Jeep. Et on va aller, on va suivre la route et... On a vu tout à l'heure. En écrasant ces zombies. Voilà. Il y en a d'autres là. Et une autre place là. Je sais pas trop quoi faire, du coup, je vais partir par là. J'espère que j'ai trouvé un espèce de MCZ. Quand même. J'ai de l'essence. J'ai de l'action. Oh, c'est juste au niveau de la place pour streamer qui va me manquer. On est à 23 minutes de vidéo. Ah, West Coastal Road. C'est catastrophe. Oh ma conduite. Oh là là, batterie. J'ai chauffé le moteur. Là où je passe, l'herbe repousse. J'adore comment ça pousse. On est à West Coastal Road. Il y a que dalle. Il y a que dalle. Il y a que dalle. Ah. Sud Coastal Road. Ah bah il est là la maison, ça. Elle est à droite. Donc, j'espère. Vu que c'est une maison assez loin quand même. J'espère qu'ils vont nous mettre des trucs assez cool. On a une machette. Et on a la dalle. On va manger une petite orange. Donc il y a quoi? Pas de zombies. Il n'y a rien du tout. Il n'y a que dalle. Strictement que dalle. Heureusement, je vous ai mis un petit fonctionnaire quand même. Bon. En tout cas, vu qu'il n'y a rien, on va terminer l'épisode. Oula, oula. On a deux choix, franchement.
Il y a quelque chose là-bas. Il y a une petite marche arrière. Oh merde. Il y a un passage là. Je sais pas si vous avez reconnu, mais c'est la musique de Resident Evil que j'ai mis en fond. Oh, une maison cachée. Une nouvelle barre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Oh merde! Il y a des zombies et il y a un fusil par terre. Putain, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a bouffé. Oh putain, les zombies apparaissent là. Putain, il faut que je fasse vite pour rentrer dans la baraque et fouiller les lieux. Il y a des casquettes, il y a des machins. Putain. Je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Dans la baraque avec des zombies. Oh putain, il y en a un autre. Il y en a un autre. On va sortir d'ici vite fait. Putain, il y en a un autre. Oh bah, j'ai traversé la maison. C'est que ce bug. Oh ouais, c'est pas mal. Genre la maison comme ça, moi. Ici, il y a des zombies. Oh, hop, c'est pas ça. Ah bah, c'est un gros bug. Mais par contre, ah bah ouais. La maison, elle est factice. La maison est toute bizarre. Ça, tu t'enfonces pas trop dans le sol. Vas-y, cool. Bon, moi, c'était un petit bug marrant. Hop, je passe dans la baraque. Et hop, je repasse là même. Il y a un autre fusil. Il y a un autre fusil. Je vais dropper ça. Il y a un autre fusil, bah je vais le prendre quand même. Voilà. Et par contre, ma bagnole, elle est en mauvais état. Bon, je dis pas ici, on doit faire pas mal de frags. Putain, il va pas rester comme ça, il m'a fait peur, cet enfoiré. Bon, on va être à 30 minutes de vidéo. Et je vous lâche dans le bug. Moi, je traverse les maisons, il n'y a pas de souci. Waouh! Voilà. Je sors. Et on bute les zombies. Et si on est en galère, c'est. Hop! On est bien. Coucou les zombies. Coucou là. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais? Fais-toi aussi, Adair. Tu peux y avancer. Tiens. Voilà. Bon, c'était marrant. C'était Expériment Z sur Android. Et je vous dis à bientôt. A plus. Bonne nuit.